mademoiselle. Ça va? Comment? Ça roule? Qui a déjà été hypnotisé en spectacle? Levez la main, bien haut. Je te connais, toi. Bruno, viens me voir. Vous pouvez baisser les bras. La première personne que j'ai hypnotisée de toute ma vie, Bruno. Merci à vous. Merci. Par contre, je vais être obligé de ne pas prendre de risques. Hein? Ça va mieux, toi? Ouais. Merci d'être venu. Il a fait des heures et des heures de route. T'as eu une grave opération. Voilà, des vrais amis. Alors, qui a été hypnotisé en spectacle, déjà? Ok, super. Gardez la main debout. Tiens, viens me voir, toi. On va faire du ménage. Viens me voir. Asseyez-vous. Tous les... Viens me voir. Asseyez-toi, là. Ici. Viens ici. On va juste gagner un petit peu de temps, parce que... Venez voir. Ceux qui ont les... Asseyez-toi. Qui avait les mains levées, encore? Voilà. Tac, 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 tac. C'est plus que deux. Vous pouvez aller vous rasseoir. Vous pourrez être hypnotisé après, vous inquiétez pas. Ça va? T'as les bras levés aussi, toi? Je regarde qui j'ai hypnotisé tout à l'heure qui s'est réveillé. Madame, vous êtes réveillée, vous, tout à l'heure. Je vous renvoie à vous asseoir. Ça vous embête pas? Merci beaucoup. On l'applaudit super fort. Allez, vous asseoir. Toi, t'es un tout petit peu petit. C'est quoi ton prénom? Seven. Faites-lui un tonnerre d'applaudissements. C'est bon? On en a encore une? Qui s'est réveillé tout à l'heure quand je l'ai hypnotisé? Non, c'est bon, il nous en manque un. Ça va? Ça va? Ça va? Allez, je vous éloigne, je suis désolé. Vous revenez me voir après, ne vous inquiétez pas. Allez nous asseoir, installez-vous. Fermez les yeux. Respirez. La personne que je touche, plus je secoue votre main et plus vous explosez de rire. De plus en plus fort. Tout redevient normal maintenant. Fermez les yeux. À chaque expiration, les muscles se relâchent. Respirez. Dormez. Dormez. Parfait équilibre sur votre chaise. Parfait. Respirez. Respirez. Dormez. 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 Profond. Dormez. Dormez. Attention à vous. Hop là. Ici. Dormez. 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 Dormez, Bioman. Dormez. Calme. Détendu. Dormez. Respirez. Dormez. Respirez. Dormez. Respirez. Dormez. 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 Vous entendez le son de ma voix, vous êtes parfaitement calme et détendu. Et vous allez avoir la chance maintenant de vivre une expérience extraordinaire, décalée. À partir de maintenant, ce n'est plus ma voix que vous écouterez, mais celle de Shaman, l'hypnotiseur de spectacle. Se trouve parmi nous une personnalité. Voici quelques indices. Il est le plus grand. Il est le plus fort. Il est le meilleur. Mesdames et messieurs, voici Shaman, hypnotiseur de foule. Shaman a besoin
de vous entendre. Faites du bruit. Merci. Ah, est-ce qu'on peut m'allumer la... le public, s'il vous plaît? Ok. Ouais. On est pas dans la merde. Ok. On va, avant de commencer, il y en a qui dorment déjà, mais je voudrais faire un petit test de synchronisation entre vous et moi. C'est pour ça que j'aimerais que tout le monde mette les mains comme ceci, s'il vous plaît. C'est très important. C'est pas un test pour vous hypnotiser, c'est juste pour qu'on se synchronise. Mais après... Maintenant, vous allez écarter vos mains de 10 cm environ, tout le monde. Même ceux qui n'ont pas payé leur place. Vous allez serrer les poings. Vous allez lever le pouce. Et vous ne bougez pas. Ouais, parce que je fais une photo, c'est pour ma voisine, ma petite mamie. Et c'est surtout pour mes concurrents, je vais faire croire que vous avez aimé mon spectacle. Vous pouvez vous applaudir, c'est fini. Si je suis là ce soir, j'ai entendu le mec tout à l'heure, il disait le plus grand, 1m69, il s'est trompé. Hein. Le plus fort, c'est vrai, 90 kg. Le meilleur, je suis pas le meilleur, mais si je suis là ce soir, c'est parce que j'étais le moins cher. Hein. Voilà. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui m'ont déjà vu. Ok, il y a personne, ça fait plaisir. J'étais passé dans une émission comme La France incroyable, talent, pas de talent, plus de talent, c'est ma vie, c'est ton choix. C'est plus ton choix. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais hypnotisé, vous savez. La personne qui avait les phobies des cafards, elle était passée avec Evelyne Thomas, c'est mon choix. Il y en a qui avaient vu l'émission ou pas? Elle avait fait « Je suis pas venu pour souffrir, ok !» Vous vous rappelez de celle-là? Depuis que je l'ai hypnotisée, elle est morte. Bon, voilà. Ah, j'ai entendu tout à l'heure, il y a pas mal de choses, hein. J'ai vu que... Eh, vous voulez qu'on les réveille ou pas, voilà? Putain, les enfoirés. Je sais que tout à l'heure, j'ai entendu pas mal de choses, hein. On peut faire pas mal de choses en hypnose. Vous avez plusieurs familles d'hypnotiseurs, vous savez. Vous avez les hypnothérapeutes. Alors l'hypnothérapeute, vous avez entendu tout à l'heure, on peut faire pas mal de choses. Hein. On peut arrêter de fumer, à surprise, tonight. On peut maigrir. Il va falloir que je commence. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, pour maigrir, lorsque vous allez chez un hypnothérapeute, au bout d'une heure, vous allez perdre environ 90 euros. Hein. Il y en a qui font ça aussi dans le métro. Alors faut faire attention. Hein. Alors, hop, ils vous hypnotisent comme ça. Et quand vous vous réveillez, vous n'avez plus rien. On appelle ça des hypnotiseurs roumains. Hein? Voilà. Alors, il faudrait que vous sachiez quelque chose. Je ne suis pas un hypnotiseur comme tous les hypnotiseurs. Vous avez vu Stan, vous avez vu Letty, vous avez vu pas mal de mecs à la télévision. Ou pas. Moi, j'ai un humour un peu trash et un peu décalé. Mais si vous trouvez que c'est trop trash, dites-vous que c'est décalé. Ok? C'est super. Tout à l'heure, on m'a dit, ouais, mais si on monte sur scène, qu'est-ce que tu veux nous faire faire? Est-ce qu'on va faire la poule, le canard, le coin-coin? Est-ce qu'on va finir toute nue? Je fais, non, toute nue, c'est dans la loge tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est super. En tout cas, je suis content de jouer devant vous. Hier soir, j'étais au Cap d'Agde, ils étaient tous réceptifs. Bon, on va peut-être les réveiller, hein. Toutes les personnes sur scène, maintenant, au compte de 3, avec le 1, avec le 2, avec le 3, réveillez-vous maintenant. On se réveille. Ok, super, il y a du lourd ce soir, hein. Du lourd en une fois même. Réveillez-vous. On savait. C'est génial. J'adore les blondes. Lève-toi. Ok. Vous vous appelez comment? Bruno, t'as un prénom de merde, mais c'est pas grave. Alors, il me faudrait un micro main. Où est-ce qu'il y a un micro main? Voilà. Merci. Ok. C'est génial. On peut l'allumer, de préférence, ça marche. Ok. On va faire quelques petits... Toi, tu bats, tu vas te faire chier. Hein. Tu t'appelles comment? Laetitia. Laetitia, j'ai vu que tu étais bien réceptive, c'est ça? Ok, je vais demander de fermer tes yeux, Laetitia. Respire profondément. Dors. Pas mal, celle-là, non? Alors, on va lui faire un truc très sympa. Il y a quelqu'un qui a déjà fait du spectacle ici? J'ai vu tout à l'heure qui c'est qui a déjà. Ok, ceux qui ont fait du spectacle, regardez-moi. Fermez vos yeux. Dormez maintenant, dormez. Ouais, c'est pratique, hein? T'as des mecs qui me disent, tu peux faire ça pour ma femme, des fois, si je peux sortir. Toi, me regarde pas comme ça. Ça va, tu t'appelles comment? Ambre. Ambre. C'est bon, j'ai compris. Ah, mais je sais pas. Là, tu m'appelles Ambre, Ambre. T'es où d'Ambre? Rochefort-Montagne. La Roche-quoi? La Roche-quoi? Vernet-Mont-d'Or.
Elle est venue avec qui, celle-là? Ok, tous les autres. Ah, on va faire des trucs très sympas. 1, 2, 3, éveillez-vous, ouvrez vos yeux, réveillez-vous. Super. Vous savez qu'on n'est pas... Attends, là. Maman, je fais attention parce que j'évite d'avoir des personnes trop âgées sur scène. Vous savez pourquoi je n'hypnotise pas les jeunes, les trop jeunes? Parce que les trop jeunes, ils ont trop d'imagination. J'ai vu tout à l'heure un petit... Il y a pas mal de choses, vous savez, les enfants, ils sont dans l'imagination, vous avez connu ça. Et puis alors, je n'hypnotise pas non plus les personnes de plus de 77 ans, parce que celles-là, elles n'ont pas besoin de moi pour dormir. Hein. Avec quelle est venue, celle-là? Réveille-toi. Toi, t'es perché, ta tronche que t'as. Tu t'appelles comment? Alexandra quoi? Alexandra. C'est super, Alexandra. Tous les autres, réveillez-vous maintenant. On se réveille, super. Écoutez-moi bien. Vous savez que vous n'êtes pas obligé d'écouter ma voix pour vous faire hypnotiser. Dans un instant, vous allez entendre une voix et vous allez écouter ce que va dire la voix. Vous êtes prêts? La voix, es-tu là? Ici la voix. La voix a une information de la plus haute importance. La voix demande aux personnes sur la scène de fermer vos yeux. Respirez profondément. Soufflez. Dormez. Maintenant, écoutez la voix de votre hypnotiseur. C'est tout pour le moment. Écoutez-moi, dans un instant, vous allez vivre une incroyable expérience. Toutes les personnes sur scène, vous allez participer. Tu peux descendre si tu veux. Ouais, je comprends, à ton âge, vas-y. Je rigole, c'est décalé, hein, j'avais dit, trash, c'est décalé, tu sautes s'il te plaît. Attention, voilà. Toutes les personnes sur scène, écoutez-moi bien, dans un instant, vous allez vivre une expérience incroyable. Vous allez vivre le tirage du loto. Et bien sûr, vous avez dans votre main droite ou votre main gauche votre ticket de loto. Et chaque fois que vous allez entendre un numéro, ça sera le numéro que vous avez joué. Et bien sûr, parmi vous, il y aura sûrement quelqu'un qui sera l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante. Alors écoutez-moi bien. Imaginez maintenant que vous tenez dans votre main droite ou votre main gauche votre ticket. Allez-y, tenez le ticket maintenant, prenez le ticket. Et écoutez-moi bien, ouvrez vos yeux maintenant. Écoutez. Bonsoir, bienvenue pour le tirage du loto et son jackpot de 4 millions d'euros. Ah, je vous m'entends qui redonne tout de suite le sourire, vous ne voyez pas? Alors attention, voici le tirage, tout de suite le premier numéro, le numéro 2. Le deuxième numéro sort de la sphère. Il s'agit du 48. Le troisième numéro fait comme les autres. Le 16, elle a fait 4 millions d'euros. Aujourd'hui, attention, voici le quatrième numéro, notez-le, le 7, et le cinquième, en attendant le numéro chance. Le cinquième, c'est le 41, voici maintenant le numéro chance. Attention, attention. Est-ce que tout va bien pour vous? La chance aujourd'hui, c'est le numéro 8. Qui a gagné? Qui a gagné? Oh là 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 là. T'as gagné? Ouais. Deux fois. Et toi, ne pleure pas. Ouais. Le 218, j'ai un client. Ok. À tous ceux qui ont gagné, prenez... Comment tu t'appelles? Gaëtan, t'as... J'ai gagné, je crois. Oh, c'est sûr. Gaëtan, fais... Attends, celle-là, je vais la calmer. Ça va? T'as gagné? Mets-toi là, viens avec moi. Oh là là. Comment tu t'appelles? Reste bien droit. Allez, écoute-moi bien. Allez, concentre-toi. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Je sais pas, je vais acheter une autre maison. C'est super. Et tu as et une maison, et est-ce que tu voudrais donner l'argent à tes amis? Oui. Ouais. Et est-ce que tu voudrais... Oh, j'ai gagné. Avec qui t'es venu? Avec ma pote, c'est laquelle ma pote? Ma pote, c'est laquelle? Elle a un prénom, celle-là. Ma pote, c'est qui ma pote? Lève la main, ma pote. Elle s'est cachée, la honte.
Monsieur Gilbert, alors dis donc. Alors donc, et est-ce que tu voudrais donner l'argent un petit peu à tout le monde ce soir ici? Non. Est-ce que tu voudrais donner l'argent? J'ai gagné combien? Je sais même plus. Elle n'est pas toute seule, hein. Alors, est-ce que tu voudrais me donner un petit peu d'argent à moi? Non. Non, non, non. Que dalle. Ok. Tu es marié ou pas? Oui. Bonne chance. Alors, serre les jambes, ferme les yeux. Comment c'est ton prénom? Laetitia. Bonne mémoire, ferme tes yeux. Non, reste droite immobile. Dans un instant, Laetitia, écoute-moi bien, puisque tu as décidé de me donner tout ton argent, de dire au revoir à ta pote, de dire au revoir à, bien sûr, ton chéri, ton mari, je sais pas. Et tu as décidé de partir avec moi faire le tour du monde. Et d'ailleurs, chaque fois que je vais toucher la branche de mes lunettes, c'est comme si tu étais folle amoureuse de moi. Pourquoi avec toi? Ça va? Alors, tu vas faire quoi de tout cet argent? On va voyager. C'est bien. Avec qui? Eh bien, avec toi. Oui. Toi, l'avantage d'être hypnotiseur, que même si t'es moche, t'emballes. Et comment on va faire avec ton mari et ta pote? Ben, j'en ai pas. Et voilà. C'est super. C'est super. Ok, on va demander de fermer tes yeux, respirer profondément. Dors. Dans un instant, écoute-moi bien, tout va redevenir normal. Tu n'as pas gagné le tour, malheureusement, mais tout redevient normal. Tu vas garder ça comme une bonne expérience. Mais écoute-moi bien, au moment où tu vas t'asseoir sur ta chaise, tu vas t'endormir aussitôt. À droite, réveille-toi. Ok, on peut l'applaudir quand même, hein, tu peux t'asseoir. Alors, les autres qui ont le ticket de l'auto, toi, tu pleures. Tu t'appelles comment? Tiffaine. Tiffaine. Tiffaine, c'est ton prénom ou c'est une maladie? C'est ton prénom? Ok. Bon, gardez vos tickets dans la poche, s'il vous plaît, messieurs, dames. Gardez vos tickets. Voilà. Ok. Ça va, toi? Viens, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. J'aime bien faire des trucs en one-one comme ça. Tu t'appelles comment? Gaëtan. Gaëtan, tu viens de où? De Chape. Ok. Ça doit être par ici, non? C'est super. Je voulais savoir si tu vraiment t'allais me coller ou pas. Tu t'appelles vraiment Gaëtan, c'est ça? Oui, Gaëtan, ça. Comment? Sapède. Ça quoi? Sapède. Ok, on va changer ça. Tu vas serrer les jambes, Gaëtan. Les jambes, c'est ce qui fait le long de ton tronc. Tu fais plus serre, voilà. Et on m'a dit, on peut voir en Auvergne, ils sont réceptifs. Hein. Je confirme. Tu vas fermer tes yeux, tu vas respirer profondément, tu vas dormir quand même, ceci. Puisque maintenant, je vais juste enlever ton prénom de ta mémoire. Ton prénom est parti loin, 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 loin. Impossible de te rappeler ton prénom. Plus tu cherches ton prénom, plus ton prénom est parti loin, loin, loin. Ne lutte pas, un, deux, trois, réveille-toi. Tu t'appelles comment? Gaëtan? C'est ça ou tu sais pas? Je sais pas. Attends, moi, on m'a dit Gaëtan à mon oreillette, et on m'a dit que tu t'appelles Gaëtan, c'est ça ou pas? Peut-être. Peut-être. Avec qui t'es venu, peut-être? Avec ma femme. Ma femme, enfin la tienne, c'est laquelle? Comment elle s'appelle ta femme? Marie-Pierre. Marie-Pierre, ok. Je vais vous demander de serre tes jambes, s'il te plaît. Ferme tes yeux, bien sûr, de m'avoir. Dors. À partir de maintenant, écoute-moi bien, puisque ton prénom à toi, je te le mets ici. Écoute-moi bien. Ton prénom, c'est... Jacouille. Et chaque fois, je dis bien, chaque fois que je vais t'appeler par ton prénom, chaque fois je dirai Jacouille, au son de ma voix, tu seras obligé de me répondre sur la même intonation. Ok! Un, deux, trois, avec toi. Donc, toi, moi je m'appelle Chaman, toi tu t'appelles? Jacouille. Ah, c'est toi Jacouille? Ok! Vous voulez qu'on le garde comme ça, oui? Ben, va t'asseoir. Alors là, t'as le chauve qui rigole. Il fait, oh, qu'est-ce qu'il a l'air bête. Tu t'appelles comment? Bruno. Bruno, Bruno, ferme les yeux, reste assis, ferme les yeux. Non, comme ceci, très bien. Bon, alors, et toi, c'est la première fois que tu fais hypnotiser? Par ici, ce soir? Ok. Toi, réveille-toi. What's your name? Ludo. Ludo, c'est super. Ferme tes yeux. Dors. Écoutez-moi bien. Chaque fois, vous et vous, chaque fois que vous allez entendre le mot « OK », vous allez vous lever de votre chaise et vous allez crier « C'est dingue !» Réveillez-vous, vous. Réveillez-vous. Ah, super. Ça va, Jacouille? OK! Lui, il me fait peur. Tout à l'heure, j'ai entendu, si vous avez pris de la drogue, la cocaïne, la margarine, la bien fine, ne montez pas sur scène. Là, il est pris, il a pris le tube. Vous appelez comment, mademoiselle? Audrey. Audrey. Audrey, viens avec moi.
Reste là. Viens avec moi, mets-toi là. Ok. Viens avec moi, mets-toi là. Mettez-la. J'ai peur. Un, deux, trois, réveillez-vous, mettez-la. Vous, mettez-vous là. Vous, mettez-vous là. Momon, réveille-toi. Ça va? Oui, ça va. Ça fait 2 heures que tu dors. Et réveille-toi là. Je vais demander de serrer vos jambes, s'il vous plaît, messieurs, dames. De rester droit, immobile. De fermer vos yeux. D'écouter le son de ma voix. Restez dans cette position, car dans un instant, nous allons voyager dans le plus grand cabaret du monde. Attention, compte 2-3. Avec le 1, avec le 2, avec le 3, vous dormez, vous restez 3 immobiles. Je dis bien 3 immobiles, vous restez dans cette position. Vous allez vivre une expérience incroyable dans le plus beau cabaret du monde. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé à... Oui, tu peux venir. Ok, super. Écoutez-moi bien, vous allez faire à l'identique. En face de vous, il y aura une meneuse de revue. Elle descend, elle est là, c'est super. J'en prends une belle pour avoir une super belle. Et bien sûr, vous allez faire exactement comme elle, puisque vous êtes au plus grand cabaret du monde. Avec le 1, avec le 2, avec le 3, vous êtes les danseurs et danseuses. Ouvrez vos yeux maintenant, en position, c'est parti! Maintenant, s'il vous plaît, tout le monde, les pieds bien fixés sur le sol. Fermez vos yeux. Respirez profondément. Restez dans cette position. Écoutez bien le son de ma voix. Dormez, restez droit, immobile, les pieds fixés au sol. Dans un instant, je dis bien dans un instant, vous allez avoir l'impression d'être au plus beau ranch, le ranch du Zénith. Et bien sûr, vous allez monter sur un cheval. Allez-y, enfourchez le cheval maintenant, enfourchez. Montez sur votre cheval. Allez-y. Attends. Vous allez descendre dessus un cheval. Non mais mettez-vous là. Montez sur un autre cheval. Enfourche le cheval. Vas-y, enfourche, monte. Là, c'est un cheval de trait, hein. Tenez les rênes du cheval. Écoutez-moi bien. Votre derrière, il commence à bouger. Votre derrière, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Votre cheval, il danse, il danse, il danse. Il danse le Shaman Style. Wopan Kamon Style. Bougez, allez là. Le public monte dans les mains, dans les mains, tout le monde. Allez là. Bougez le public encore, encore! Et attention, compte 2-3! Avec le 1, avec le 2, et avec le 3, réveillez-vous maintenant! On les applaudit bien fort, assis! Merci! Restez là, restez là! Messieurs, restez là! Restez là! Viens avec moi, restez là! Messieurs, les mesdames, asseyez-vous, s'il vous plaît! Voilà! Je vous pose une question, mesdames, parmi vous, est-ce que vous aimez? Je sais qu'on est à Clermont-Ferrand, hein. Je vous pose une question débile, vous allez voir! Est-ce que vous aimez le rugby? Oui. Est-ce que tu es pour l'ASM? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, mets-toi là. Vous regardez le rugby un peu? Oui. Vous aimez ça? Oui. Ah, mets-toi là. Et vous? Oui, aussi. Hein. Bah, mets-toi là. Non, t'aimes quoi? T'aimes rien, on s'en fout. Moi, j'y joue. Toi, tu joues au rugby? Je fais des touches. À mon avis, il n'y a pas que les touches. Hein. C'est décalé. Hein. Commencez pas à me faire. Oh, tu vois comme il est avec les petites dames. Viens avec moi. Tu t'appelles comment déjà? Karine. Karine, Karine. Vous aimez le rugby?
Vous jouez au rugby aussi? Mais tu t'es pour qui? L'ASM. Mets-toi là. Toi, je te pose pas la question, j'ai peur. Il y en a d'autres qui aiment le rugby, qui aiment le... Ouais, vous êtes... Ouais, t'aimes le rugby? Toi? Oui. Mets-toi là. Il y en a d'autres qui aiment le rugby? Toi? Mets-toi là. Voilà. Femme à lunettes, femme à lunettes. Ok, tous les autres aiment le rugby, vous aimez... T'aimes pas le rugby? Qu'est-ce que t'aimes? Le foot. Oh mon Dieu! Attends. T'es pour Paris ou Marseille? Ah, bah, je m'en fous. Ok, super. Allez, je vous invite de serrer vos jambes. Alors, question, qui aime vraiment le rugby? Est-ce que vous faites du rugby, les gars? Non? Est-ce que vous le suivez vraiment, le rugby? Alors, toi, tu m'as dit que tu faisais du rugby? Ouais. Vous êtes nombreux à l'intérieur ou... Toi, t'es comme tu joues au rugby, c'est ça? Non, au basket. Ok. Vous regardez le rugby? Vous aimez le rugby? Non, toi, tu regardes le rugby? Tu aimes le rugby? Oui. Ok. Fermez tous vos yeux, messieurs, dames. Toi, approche-toi, s'il te plaît, mets-toi bien avec moi. Mets-toi là. Toi, c'est bien, on a le même coiffeur, dis donc. Sauf que t'es moins beau. Alors. Fermez tous vos yeux, les bras le long du corps, écoutez bien le son de ma voix, vous dormez, restez droit et mobile. Fixe sur les... Ok, au sol, et vous aussi... Non. Écoutez-moi, vous, je touche. Vous êtes le capitaine des All Blacks. Et en face de vous, il y a... Toulon. Bon, l'ASM. Vous êtes le capitaine des All Blacks et bien sûr, vous allez nous faire... Le AK. Mais c'est pas n'importe quel AK que vous allez nous faire. Vous allez nous faire le AK Auvergnat. Toutes les autres personnes, dans cet état d'hypnose, vous allez regarder sous votre gauche ou en face de vous, peu importe, celui qui est là, le capitaine, et vous allez faire exactement pareil. Puisque ce soir, vous êtes la grande équipe du rugby hypnotique. Attention, ouvrez vos yeux maintenant. Capitaine, c'est parti, à vous, AK. Écoutez-moi bien toutes les personnes qui sont sur scène maintenant. Je vais demander, est-ce qu'on m'éclaire là, s'il vous plaît, la scène, parce que voilà. Dans un instant, écoutez-moi bien. Les personnes qui sont sur scène, vous avez remarqué qu'on vous a enlevé votre nombril. Vous n'avez plus de nombril. Votre nombril a complètement disparu. Avec le 1, avec le 2, avec le 3, réveillez-vous. Regardez si vous avez votre nombril. Si vous ne l'avez pas, venez me voir. Ouais, ceux qui n'ont pas le nombril, ouais, venez, qui n'a pas le... Tu n'as... Viens avec moi, ouais. J'ai perdu. Ouais, tu l'as perdu, mais toi, toi aussi, t'es perdu. Vous avez perdu votre nom, t'as perdu ton nombril? Non, je l'ai encore. Bah, toi, ouais, et toi? Je l'ai plus. Toi, tu l'as plus. Ça va, Jacouille? Ok. Bah, les autres, bon, venez avec moi. Et ceux qui ont perdu le nombril. L'autre, elles font une réunion tout verroir, les deux-là. Elles sont là, ouais, non, oh, les filles, venez, les filles, ouais, 10 minutes, les filles, venez voir, venez avec moi, descendez doucement, là, allez-y, descendez doucement, ouais, allez-y, parce que j'ai pas pris d'assurance, voilà, mettez-vous en bas, hein. avec, oui, maintenant ça c'est le mien, ok, regardez le nombril, descendez, ouais, vas-y, descendez. Bon, il faut une réunion, tu peux... Vas-y, descendez. Allez-y, avancez, madame. Et regardez-moi, descendez. Regardez-moi.
regardez-moi. Votre nombril. Votre nombril, regarde bien. Vous voyez le gars là qui est barbu là-bas, le chauve. Eh, restez là. Ouais, toi là-bas, le dernier, non, l'autre derrière, le chauve. Lève la main. Ouais, lève l'autre main. Fais comme ça. Vous voyez le mec qui fait comme ça, il se fout votre gueule, lui. Et même pendant que j'étais là, tranquille, le mec il arrive. Et il vous a pris votre nombril, courez, ça c'est nombril. Elle veut le pécho. Et qui c'est qui a un acteur ou une actrice de cinéma préférée? Dylan O'Brien. Dylan quoi? Dylan O'Brien. Qui m'en mettra deux tranches. Julia Roberts. Julia Roberts. Et un homme? Richard Gere. Ouais. Et vous? Autour des courriels. Georges Clooney. Hein? Georges Clooney. Georges Clooney. Ouais, il y a plus moi. Toi, ça m'étonne pas. Ok, tiens, viens avec moi. Tu m'as dit qui, ouais? Julia Roberts. Et bien, en homme? Richard Gere. Voyez, oui, oui, oui. Très bien. Je m'en dis de serrer tes jambes, de fermer tes yeux, de respirer profondément. Non. Reste droit, immobile, ne bouge pas. Reste dans cette position. J'ai demandé à un monsieur. Tiens, vous, monsieur, là. Ouais, je suis venu monter tout à l'heure en plus. Non, non, vous voulez ou pas? Non, ok. Tiens, ouais, montez. Vous avez de l'humour, monsieur, ou pas? Ouais, il en faut, hein. Ok, c'est super. Voilà, chercher un vieux et moche, en plus. C'est décalé, hein. Commencez pas à me dire comment il est. Ok. Vous appelez comment? Hein? Thierry, ma belle Thierry. Thierry, reste là. Alors. Tiens-moi ça. Bougez pas, il faut. Fermez vos yeux. Dormez. Ah ouais, c'est bon. Ferme tes yeux, dors. Ben celle-là, elle dort, même elle rigole aussi. Dormez. Bougez plus, restez dans cette position. Restez comme ça. Dormez de plus en plus. Écoutez-moi, dans un instant, la personne que je touche ici, vous allez apercevoir à côté de moi, Richard Gere. Ce soir, c'est plus Gire que Richard. Vous allez le trouver beau. Vous êtes folle de lui, vous avez vu tous ses films, vous êtes vraiment folle de lui. Avec le 1, et bien sûr, il parle couramment un peu l'anglais comme ça. Yeah. T'en fais quand même pas trop, hein. Ok. Avec le 1, le 2, le 3, réveillez-vous maintenant. Attends, attends, bouge pas. Attendez. À partir de maintenant, les personnes que je touche, vous pouvez plus rigoler. Vous pouvez plus rigoler. Vous dormez. Bon, cela, dormez de plus en plus encore. Dormez. Vous pouvez plus rigoler. Dormez, détendez-vous, calmez, détendez-vous. Dormez deux fois plus. Donc, écoutez-moi, tout à l'heure, on a parlé de Richard Gere, ok? Eh bien, Richard Gere, quand il a su que je venais au The Night, moi je parle anglais. Il m'a dit, oh Shaman, how are you, my friend? Oh, we're good. Il me dit, ah, je sais que tu vas venir au Zénith ce soir, à tout. Je dis, ouais, il me dit, est-ce que je peux venir te voir? Je dis, ouais. Regarde qui c'est qui est venu. Attends, détends-toi. C'est qui? C'est Richard. Est-ce que tu le trouves beau? Ouais. Il y a toi qui le vois beau, t'inquiète pas. Attends, on va lui poser la question. Ça va, Richard? Yes. Very well. Ouais, very well. Ouais, alors, ça me fait plaisir que tu sois venu là, aujourd'hui. On va parler français. Oui, ben, je sais que ce sera plus facile. Ok, est-ce que tu pourrais lui poser des questions? Oh, c'est super question. Madame est blonde. Alors, la question, c'est ce soir. Tu fais quoi ce soir? D'accord. Elle est l'envoi du lourd, hein.
Tiens, ben, est-ce que tu voudrais une photo avec lui? Bah ouais, quand même. Alors mets-toi à côté de lui. Tiens, lui il est content, il croit qu'il va la pécho. Attends, on va faire un petit selfie. Attendez, bougez pas. Attends, on va faire comme ça. C'est quoi ce téléphone de merde? Allez, bougez pas. Non, non, c'est le mien parce que, en fait, l'avantage qu'il y a avec celui-là, c'est qu'il est complètement... ouais, il va directement sur Internet. Je pense que l'autre, il va pas aller sur Internet. Allez, vous êtes prêts? Attention, on va faire un petit sourire. Attention. Allez, on sourit, un petit coucou, on y va? Et il s'y croit. On y va encore? Allez, on les applaudit bien fort. Merci Richard Gere, tout le monde. Allez, on va continuer là-dessus. Va t'asseoir. Ok. On est dans les temps, on doit arrêter, c'est ça? Je vois pas mon... 3 minutes, c'est le temps. Ça va ou quoi? Ok, bon, je dois vous laisser, je dois vous quitter. Je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. Respirez profondément. Dormez maintenant. La voix, il est temps de dire au revoir à nos amis. Ici la voix. Mesdames et messieurs, il est temps de vous dire au revoir et de vous donner rendez-vous sur notre page Facebook Chaman Hypnotiseur ou sur notre site internet. En espérant que vous avez passé un agréable moment. La voix et Chaman vous remercient et vous disent à très bientôt. C'est tout pour le moment. Vous allez vous réveiller dans un instant lorsque je vous dirai, vous allez vous rappeler de tout dans les moindres détails. Vous garderez ceci comme une agréable expérience, un superbe souvenir. Avec le 1, vous respirez profondément. Avec le 2, tout commence à remonter au conscient. Vous êtes calme et détendu et vous vous rappelez de tout, je dis bien, de tout dans les moindres détails. Et avec le 3, réveillez-vous maintenant. Applaudissements. Applaudissements pour ceux qui ont participé ce soir. Mesdames, mesdames, messieurs, c'était un honneur et un privilège de venir pour ma première enseignée. Merci bien. Merci, merci. Attendez, c'est pas fini. Allez, est-ce qu'on peut m'allumer la salle, là, s'il te plaît? Voilà, il faut que j'allume. Ouais, super, on peut moins les façades parce que j'ai ça dans la gueule. Voilà. Écoutez-moi bien, je vais vous raconter quelque chose, attendez bien. Faut que je vous dise quelque chose. Donc hier, j'étais à Toulon. Non, mais c'est vraiment vrai, hein. Et j'étais avec un copain, il m'a dit, tu vas faire quoi à Toulon? Je dis, je vais à Clermont. Le mec, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire à Clermont? Je vais hypnotiser le zénith. Il me dit, tu sais quoi? Ça ne marchera jamais pour les Auvergnats. Je sais que ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que je vais vous demander? On va attendre. Chut, chut, chut. On va attendre qu'il se remette normal, hein. Chut, dans les 2 minutes. On va aller après. Chut, 2 minutes, mais... Détendez-vous, voilà, le temps qu'on finisse, merci. Voilà ce qui va se passer. Vous allez tous faire semblant de dormir. Parce que j'ai envoyé ça à Toulon demain, hein, tu vois. Alors allez, vous allez tous faire comme ça. Et quand je vais dire le mot hypnotiquement drôle, de devant jusqu'au fond, à ceux qui n'ont pas payé leur place, les riches et les pauvres, les très riches et mes amis, vous allez faire du bruit, vous allez vous lever, vous allez crier, et on va montrer à Toulon comment ça se passe en Auvergne. Vous êtes prêts? Alors faites tous semblant dormir, allez, on y va. Chut, attention, chut, s'il vous plaît. Écoutez, voilà, je suis au Zénith, c'est incroyable, c'était ma toute première au Zénith. Et on m'a dit, mais tu n'es pas capable d'hypnotiser tout le Zénith. J'ai dit, bah, comment ça? Mon spectacle s'appelle Hypnotiquement Drôle! Promis, on a tout ce qu'il faut en France pour faire de l'hypnose.
Merci bien. Je te kiffe. Merci. Je serais jamais devenu hypnotiseur sans lui. C'est lui qui m'a hypnotisé la première fois. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci à vous tous. Je vous demande de rejoindre les places. Applaudissez-les super fort. Merci.